Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubé. C'est toujours un grand plaisir, on ne cessera jamais de le dire, de vous savoir très nombreux à suivre cette émission et surtout à partager et à réagir dans nos prochaines productions, plutôt dans nos différentes productions. On va aujourd'hui faire les points sur trois principaux sujets. La rentrée parlementaire, ça a eu lieu au niveau des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on va nous attarder un peu plus du côté de la chambre basse du Parlement, où Grosso Kodia a annoncé que, au niveau de sa chambre, le processus va accélérer pour qu'on puisse avoir les animateurs de la CENI. Et on parle pendant ce temps du dépôt et la proposition de la loi de finances exercice 2022, évaluée, je crois, à 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est consistant pour répondre aux attentes des Congolais? On en parle au cours de cette émission. On va également revenir sur la marche de la Mouka. Martin Fayoul, qui a fait pas mal de déclarations, oh, je suis tenté de rire. Martin Fayoul qui annonce qu'on l'a mis les doigts partout. Il a traité les présidents de tout ce que vous avez entendu. On va essayer de revenir sur cette marche, puis on va chuter avec la mise en liberté provisoire de l'ancien ministre de la Santé publique, Eteni Longondo. Sur ce plateau, je reçois Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique Les changements, c'est maintenant, membre ou allié à l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Mais on va passer cette émission et intégralement en lingala pour une meilleure audition. Maître Mbote. Mbote Ndeko Hervé, Mbote Naba Congolais Nyonsoto, Baobakozo Ndingisa, ya Kolanda Biso na magazine ActuBase, Oyozali présentateur na yango. Bonne santé. Non, Nzambe Azali Kosala, Tozali Nous Kolika avons Sebobel. Un pouvoir élingi. Veste à Sika chaque jour, à Bitoko, Hervé, Oyebi Ndeko, toi na télévision, Bandeko Bakolanda Biso, Oko la ta veste, cravate à boyo, sombia on a la Kinshasa, on a 1500 francs. Noye na on a télévision, Oko la ta veste à boyo, y a Sika, te boutique te, Oko la tango, y a on a télévision, mais moto, y a on a kaiti non, yozalaka. Donc, ba Congolais, ba Bakolanda Biso, Sengeli baye baye keno, toza y na vie des ans, skole kabangote. Mais to linga kande ko zala moi ko respecter journaliste pe ko respecter média otozo ya ko répondre na une invitation tant ozo ya na télévision ko ya quand même bosoto te mais sengele pe ba congolais ba yeba li soe ke no to zali ba toyo ba to sala kapé. Je ne viens pas ici à ma qualité d'avocat, mais je suis aussi un avocat dans la ville province de Kinshasa, même sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors on a lundi ministre à portefeuille Adel Kainda a adressé parcours na ye à 100 jours na tête ministère na ye. Personnellement, on va satisfait na parcours, na plutôt na bilan à mi-parcours. Il y a madame la ministre, il y a portefeuille. Nazali, ko remercie Yondeko Hervé pour la question importante. Au surprendre nga na ngo, sengeli ba Congolais, ba yeba. Excellence, madame princesse Adèle, Azali moi si parmi basio le lo bazali ko kamban. Na gouvernement yandeko Sama Lukonde. Premier ministre a cela ikosa la sortie médiatique na epona 100 jours et ensemble ya gouvernement, et c'est aussi important que ministre Nyon surtout place pe azali apesape ba point na ba axe oyé asili kosa la sur terrain. Elle a pris un courage exceptionnel. Ozomona baninga na ezali polémique té bazali lelo moto moko azosala point de presse té même à ta conférence de presse té mais l'excellence a vu parce que azali ko kamba ministère moko ya moto ya portefeuille o ezali ko gérer lelo ba entreprise ebélé sous gestion na ye après transformation asali apesi ba axe o nyonso to asili ko sala mais ce qui est vrai il faut les reconnaître que azali moi si moko o lelo premier ministre Sama Lukonde ou Azali Kolanda Biso na ba service na ye, même le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ou Azali Kolanda Biso, pe na ba service na ye, Azali Mwasi Moko Esengeli Bango ba tia maboko, parce que le lo Azali Kolakisa, en termes de lingala, la bokasite, efficacité na ye sur terrain, par rapport ya ba Nino Oyo, président de la République, Nande Kosama Lukonde, Basila Iko a signé pour le ministère et à portefeuille. Très bien, alors, tout ce que la grande presse a regroupé dans le AFDCA, toutes les informations sont au lobby. Nabi Gozo évite, mais il faut tout lobby là. Toutes les informations sont au lobby. Pas confrère, Nabi Soma, journaliste, bon, j'ai préféré qu'il y ait un temps à pointer du doigt, actuel président du Sénat, Bahati Lukwebo,
et puis l'un des membres influents à Union Sacrée, comme responsable, il y a blocage de Mambo et Tali nomination dans la carte entreprise publique. Ils ont réclamé la part du lion. Est-ce que l'attitude où il y a gloutonnerie, il est certes que l'information est à vérifier, mais si ça verrait que Mambo ne décolle pas qui est solo, est-ce que vous avez dit que Bati Lukwe Baromi le roi, moi, obstacle pour le chef de l'État? Merci beaucoup, Ndeko Hervé, parce que vous allez colober la Makambo Yaba mandateur. Ezali kokota na gestion ya excellence princesse Adèle na pesa quand même moi ba congolais ba axe ya miloko ya cela iko sala ndeko Hervé na likaki na itando ike na yapo na koyebisa yo ke non elle a envoyé des commissions sur terrain ba o lelo bazali ko travailler pour na ba ibope sa ba société belé ba titre ya ba propriété au bazalaki na ngote. Elle a fait des visites na niveau ya Kamoa où l'état congolais azana ba part ya ba action na ina kati et ba travailler au bazali belé kuna ce sont des patriotes. Bazali ba Congolais, akendai ko benda bato wana matoyi, pona ko yebisa bango, bien-être ya ba travailleurs e sengele changer. Salaire na bango e sengele bazo wango na temps réel. Hôpital na bango e sengele ezala assuré. Asuki kaka wana tende konanga, Hervé, elle a fait tant na ba activité mosusu. Nanga na yoko bele la epa mama princesse Adèle, bandeko ya Hervé ya, tali la pe bango li kamona. Ya bandeko ya, qu'est-ce qu'il dit ya onatra? Bandeko wa onatra, mama, tali la pe bango li kamo na bango. Na ibe ki ozali komi pesa na dosye wana ebele. E volonté na yo lelo ezali manifeste. Me ezali eloko moko oyoko tika elembo ya munene. So ki bandeko ya onatra ba rekipere mbongo na bango bazali ko benga 207. Très bien. Mama ibe yango, sunga bango na banko oyo. Azali lelo ko negosye na bango pon ete non. Bazo wa mosolo wana, ba iba koma ko. Ozongisa onata na nzela moko ya malonga bakotika lobosa na yote bakotika yo na losambo ebele na question oyo tundi na sila iko mona tweet ya ndeko journaliste wana mena kokiko yebisa yo na mukuse ke bati bato bakoki komona ineti mabe me pusa na pemeni na ye o comprendre ke no azali mundele bati na jamais fait le lo poids politique na ye o azali nango comme objet ya obstacle pa bato mosusu. Il s'est toujours humilié. Et Bati nous a toujours tiré les oreilles. Moi, chaque fois que je me vois avec lui, Maître Bazin Kozoa, poids politique na biso, au branding, rango, belé, 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 na télévision, que non, AFDC, ba député, belé, AFDC, te, ils ont attiré biso ba foudre, ils ont attiré biso jalousie, et sengeli biso toti kalande, na logique, na vision, ya président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Toti kala na bien-être ya peuple congolais. Mais sengela ki pe bandeko wana ba tweeté, ba loba ete, bati a salué le travail de l'IGF. Le travail que l'IGF a en train d'abattre aujourd'hui. Mais ne ba lobi ba ti côté à répartition ba poste na kata ba entreprise publique, a nga zo pena mo part du lion. Non, ndeko na ngai a kozwa part du lion ndenge nini. Parce que on sait que nous sommes dans un gouvernement d'union sacrée. Et puis, il n'est pas aussi interdit, Bati Lukwebo, que Abenga, président de la République, Abenga, premier ministre, Abenga, Batomosouza, Yibisa, Bango, que Mokando, Botine, Lingaï, Namoni. Très bien. Est-ce que Koki, Kozala, Boité, Koki, Kozala, Boité? Non. Que les gens ne cherchent pas à étouffer les sénateurs modestes, Bati Lukwebo. Mais nous, nous en sommes là, Bati dans la vision du président de la République, Bati dans une bonne collaboration avec le président de la République et les autres institutions. Nous allons les démontrer. Parce que le sujet est allé rentrer parlementaire de quoi Hervé. En tout cas, si on va rentrer parlementaire, tout le monde au niveau de l'Assemblée nationale, Mbosoko a annoncé déjà qu'il faut accélérer le processus pour la désignation de l'animateur Yasseni. Alors, à ce jour, le processus est bloqué au niveau NIN. Après, c'est que le moratoire et les cas, côté Kuna 5 ans, et c'est Brazil, le chef de l'État Yambabango, et l'autre, les 6 autres confessions religieuses, toujours campés dans la position de Bango, il y a choix de Bango sur Beni Kadima. Alors, finalement, tout le monde au niveau NIN. Concernant la désignation des animateurs, il y a CENI. Non, la situation est en train d'avancer. Na niveau, il y a ba parti politique, au bazali ko constituer le l'Union Sacrée. Il y avait un petit souci, na bandeko ya ensemble ya Moïse Katumbi Tshabwe. Bangoni bazali trop gourmand, bazali trop exigeant. Na basala ni bango basila ki ko exigé. Basila ki ko exigé na bandeko ya IDPS et que IDPS a concédé les bango poste moko na niveau ya bureau ya CENI. Parce que IDP sa sila yu kozwa entre premier vice-président ya CENI na rapporteur.
ensemble à Moïse Katumbi tcha babanda ko luka et que ba pesa bango poste moko mais IDP savait accepter ba tractation ils allaient en cours va accepter assez délai bango na eloko moko soki élément wana ils allaient décanter je pense que na mikolo ils allaient koya et surtout que la session vient de commencer depuis hier là Mboso a dit c'est une priorité pour la nation. Donc, on va inscrire ça à l'ordre du jour et on va entériner le procès verbaux au Epesamaki. Basango, moi je l'ai dit ici une fois. Non, c'est l'invitation, il y a chef de l'État. Non, écoutez, Ndekonangaï, monsieur Abbé Donatien Chollet, il y a un moko, azali ko sali la lamuka lobbying net Donatien Chollet. Porte-parole, il y a lamuka à niveau international, il y a commis Fridolin Ambongo. Mais moi, je suis politique, je suis politique. Ils sont basés sur la logique. Basés sur la logique, la Mouka dit clairement, na moto ko sa ila bango lobbying et que nous avons un moyen d'avoir une élection en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Louke la biso dialogue et en la carte à Mouka. Pour nous, nous avons un peu de biso na carte à institution. Nous avons une élection en 2023. L'élection est à la repousser. Attends, décembre 2024. Pour nous, nous avons besoin de toujours un moyen pour qu'il y ait une élection. Parce qu'on n'a pas un partenaire fiable à qui qu'on finance l'élection. Alors, l'analyse, c'est qu'il y a une coalition de la Mouka. Moi, je suis politique. J'entre dans les salons politiques de Hervé. Les problèmes, ils allaient où on a. Donc, il y a 5 ans, il y a SEC, démarche dans le bango de l'eau, ils allaient que non, il faut chercher à tout prix qu'on créer dialogue na kati ya mboka République démocratique du Congo. Pour preuve, la marche de la Mouka ici, il y a qui marche moko, il y a qui prémédité. Oui. Donc, il y a une appel à ça, il y a parce que pour Congolais, on a eu un père de fils dédié. La logique était, il faut déstabiliser la ville. Il faut incendier Biloko Moussous. C'est pourquoi le gouverneur de la ville, avec Silvano Kasongo, 24 heures avant, ils sont descendus na Tchango. Pour nous kokanga bakuluna moko ils ont arrêté 106 kuluna bazali ko déférer bango le loba kende kanya makase pona bakendo lona baya na masango tolia masango ni toto kokolia na bango tout était préparé faut briller pour faire voir à la communauté internationale que il y a une crise suite à la question de la CENI pour notre communauté internationale à Tamula même la question il y a journaliste na bino obasila iko beta tout était préparé Hervé. Nous avons les informations que tout était préparé. Donc, c'est la police qui peut complice dans la carte de la Moukango pour être tabassé par la police. Les journalistes ont fait de tout son mieux. Pour la police, et l'autre, on est comment? Mettez au bazin. Ah, ça, c'est quand même grave. Comment la police a bétail? Nous avons Hervé. N'en trompe pas dans le bilan, Moussous. J'ai du respect envers patients. Je les respecte, c'est un bon journaliste. Mais il y a boire et à manger dans cette histoire-là. Il y a boire et à manger dans cette histoire-là. Il est allé répondre à la volonté de ses deux frères. Il est allé travailler comme journaliste. Oh là là. À quel interview, il a failli la police. De Kolanga, il est dans le lobby. J'ai dit respect envers lui. Mais il sait que la police n'a pas tombé la piège. Non, Deko, c'est pourquoi le policier a été arrêté. Parce que la police a été instruite par le général Silvano Kasongo. Sécuriser les personnes et leurs biens. Et je rappelle ici ma opinion. Que la marche n'a pas été interdite. La marche a été autorisée. Mais décalée. Mais décalée. Ndeko Hervé. Tout était prémédité, papa. Mais là n'est pas la question, mais ce qui est important. On va rentrer parlementaire. Alors, il y a fait Moussou Markan quand tu as rentré parlementaire et ça. Pétition contre le président de l'Assemblée nationale. Bah, comme il y a, je crois, 100 signatures. Bah, on va reprocher le président Mboso Mbele. Alors, finalement, est-ce que s'il faut analyser le motif ou le député Bazako évoqué pour la coco et sambo ce code, est-ce que ça valable n'a pas de motif ou n'a pas de élément n'a pas intérêt à peuple au trouver on a pas situé à kakaba caprice à député monsieur Léon Lembalemba Molière n'est pas bien à cahier membre d'un FDCA c'est gueule camarade naoya congolais bat tirer attention à papa Lembalemba faut d'abord bino n'a pas de FDCA papa Lembalemba alinga zongi c'est la biso un mauvais comportement y a ba député y a sous régime y a Joseph Kabila Kabange na ba motion préfabriquée ils a député moi y a Congo central Poba Albert Poba c'est Molière qui est derrière cette histoire Poba Azaka étiquette
C'est Molière qui est devant, derrière cette histoire. Molière, ça ne sert à rien de déstabiliser l'institution. On sait que c'est Katumbi qui est derrière vous. Ah, c'est là, Maître Bazito qui est Malembe. Député national Léon Mbalemba, papa Molière, ça membre à AFDCA. D'abord, membre de AFDC, d'abord comme parti politique. Il y a regroupement, et puis membre de regroupement politique AFDCA. Si vous voulez, il y a un AFDCA, il y a un monde. Passez-moi l'expression, elle a sous-traité par Moïse Katumbi. Ndeko, Hervé, politique, en politique, tout est faisable. Papa Molière a eu tout le ralaming Itawa. Et pas journaliste, c'est mon cas. Hey, Mbosso! Madame Janine, vous avez malam. Alors que Molière a eu mon toit Liboso, dans l'Assemblée nationale, pour motiver Baninga Naye, Koye Bisabango, Mabounde nous a amené une dictature à niveau de l'Assemblée nationale. Mais élément Nini Yassika, moi, on dit que Molière, les malins, les zuis, les loponés, qui n'ont aïe à déstabiliser l'institution. Ah, vous avez bien été, avant de respecter les députés. Cher ami, non. Avant que ça va mal au bâté. Pourquoi ma député élément moko bazalaka nango pour na ko destituer ba président na bango ezalaka non la dictature. Oh, la parole n'est pas distributive. Pourquoi un député yo papa Léo le tout monde qui no akenda kuna ko kelola ba pongi. La session yango ezo session yango e bandi. Et moussou je route aussi là bazo ke de faire mandat na bango. Tu as vu combien de lois Molière préparé? Non, mais il va combien de propositions Molière a sali. Il permettre de députer ça comme il se doit. Est-ce que tu as vu Molière qu'on s'est la parole pour aller intervenir sur une question d'enjeu en République démocratique du Congo? Il est resté un député médiatique. Non, nous ne l'avons pas envoyé là pour la Biloko Abong. Nous l'avons envoyé à l'Assemblée nationale, c'est pour les fabrications, pour la Conseil de la pour concevoir Bamibeko. Pour contrôler le gouvernement. Contrôler le gouvernement. Les lois par recette au Congo et comme au Matissa. C'est pourquoi moi je dis, les gens doivent cesser la haine contre Batu Lukwebo. Batu Sengeli Batu Sepela Batu Lukwebo qui l'a amené les innovations et le contrôle parlementaire, les lots. Mais justement, pourquoi Batu Lukwebo comme président de l'AFDCA a sanctionné le comportement de Papa Molière qui a 4 d'abord il y a regroupement. Non, c'est un député, il a un champ libre. Oui, mais avant un autorité. Avant député, il y a un champ libre. Mais rassurez-vous, Hervé. Mais ce qui est un champ libre, on a un compromis qu'on marchait sur statut, topé, vision et autorité morale. Non, vision et autorité morale, Nabiso Sénateur Modeste Batu Lukwebo, c'est de soutenir les institutions, soutenir le président de la République, répondre aux attentes du peuple congolais, contrôler les ministres, contrôler les mandataires. Les lobes ministres, vous allez qu'au défilé, non? Commission Moko est mis en place au niveau du Sénat. C'est ça le travail d'un parlementaire. C'est ça le travail d'un président du Sénat. La bonne collaboration entre le Sénat et le président de la République. C'est ce que Batu Lukwebo est en train de faire aujourd'hui de Konangai. C'est que tout félicité Yango. Mais Molière, petit cahier. C'est au Congolais de les sanctionner le moment opportun. Commission discipline, il y a regroupement d'Abino. Et vous, ça, vous savez. Arolobé Kenoaza, député, a travaillé à niveau Assemblée nationale. Député, oui, mais il a été élu sous les couleurs, il y a parti d'Abino. Tôt, il y a regroupement d'Abino. Mais Nangana a posté à papa Molière, Abo, il y a Palissade, Bazo Pé Sabango. Abo, parce que c'est Mbosso qui est là. Mbosso Bazo Pé Sabango. Alors, il y a, bien sûr, Toyebi Koma Bazui Yango. Très bien. Mais donc, c'est pour dire aux Congolais, non, moi je suis un peu désolé, vraiment il y a un comportement, papa Molière, il doit mûrir sa politique. Très bien, toujours en marche à la Mouka. Martin Fayoulou, président a décidé, moi je suis l'idée de topé à Ténor et à la Mouka, Réna Balabala, accompagné de son frère Adolphe Mouzito, mais malheureusement, va décrier le comportement, il y a la police. La police, va tient Martin Fayoulou, selon Yemoko, va tient Misapi partout. Je suis un poche, 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 je suis un Sogi Steve Kikuni. Sept Kikuni. Auto Sumba Bilo na Turquie. Asali ba frete na ye. Mbana moko a tuto non.
j'ai tout stoppé. J'ai écouté mon voyage. Pour la marche dans la République démocratique. Mais j'ai vu les images du début jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas vu dans la marche. Tu vois l'aventure. Au moins, politique et spectacle à la République démocratique du Congo. C'est politique et réseaux sociaux à la République démocratique du Congo. Et ce qui est quand même un peu Hervé. La marche a été préméditée. Préméditée pour désacraliser certaines actions que le président de la République est en train de poser en République démocratique du Congo. Faire voir à la communauté internationale qu'il y a une crise au Congo et qu'il faut à tout prix un dialogue dans le cadre de Mboka na biso. Mais ils ont raté, c'est un fiasco. Coup de chapeau dans le coach Jean-Pierre Bemba Gombo. Marche na ye, baboyaka na kati amboko, mais Mbemba a mobilisé tous. Nous étions surpris. Mais Fayoulou, il a fait la honte. Et je pense que même il a été reproché par l'entourage na ye. On ne fait pas la marche na kati amoutouka. Non. Marche et zala kapona babolongi sa la passe. La police a empêché Gagita na kata mbouka. Eh police a empêché Gagita. Oui. Yo mon ami Fayoulou a outa mbolade. Abiba ye belé, bala kwa tomo la kapokite. Alaksi bangwe na makasi kole kapokite. Mon cher, non. C'est que tout élevé politique en Mboka na biso. Le monde est en train de nous observer. Même certains voisins sont en train de nous observer. Bah fait et geste na biso, ils allaient même contrôlés par les certains pays de la sous-région. Bah mon abiso que nous avons l'amateurisme politique na kati mboka na biso te. Comment M. Martin Fayoulou peut qualifier un président de la République, un père, Azana Bana 5, à présenter Abisso, Azana Mouassinaye, à Bali de manière légale, Azana Maman Naye Nakatiambouka Naye, Papa Naye Sakoufa, et il a une famille derrière lui, à quoi qualifier un président de la République, Azali qui voyageait pendant que nous draguions Banabasi. Tu sais comment ça peut choquer à sa femme, à ses enfants, même à son entourage? Mais n'est pas maman naïe ou y a une moralité à moi naïe. Tu sais comment ça peut choquer? Il y a certaines choses, nous, acteurs politiques, ils arrivent à secret d'État. Ils ont coupé, ils ont coupé en ango. Na moni moninga na gane loko moko ya mabé, mais wane tika ina motema na ngai, na kokyo obimisa ngote, parce que ça n'a rien à voir avec la politique. Félix voyage pour l'intérêt de la nation, pour la question de la paix, la question de la gratuité, pour la diplomatie en République démocratique du Congo de Konanga Hervé. Et ce qui est ici important, il faut aussi souligner Bandeko Bayeba, que Fayoulou a sélectionné marche là, amené chez lui à la maison, sans les brutaliser. Bandeko Bazana ba image, va comparer image à Fayoulou à l'époque à Kabila, Fayoulou à l'époque à Tshisekedi. Lui va te battre maboko partout. Ndeko nangai, okotia moto maboko partout ndenge nini. Moto azana kati ya mutuka. Amatisi vert ya mutuka. Et ça y est, il y a un exus légal, il y a un exus à l'interview, à la qui s'est mis au pénal à injure. Bah, injure même, il faut qu'on ne peut même pas parler en termes de Zaïkamoko. Il y a qui est belé. Et na katia moutouka, à ce sommet, Adolphe Mozito. Mais c'était toi. Nani moutou, à ce commandé. Non, mais je me suis dit, mais Mozito, pourquoi il doit faire route avec Fayoulou? Fayoulou, à ce dénigré, il est partout, place à ce qu'il y a. La marche a pris, frère, Mozito n'a pas parlé. De Konanga Hervé. Mais il faut aussi saluer les professionnels, mais il y a la police. De Silvano Kasonga Sali Moussala Moko Kitoko, et nous l'encourageons, et on doit continuer dans les valeurs. Là, c'est ça l'état des droits que nous avons promis sous Félix. Journaliste, ça Moussala Botoli va téléphone, na Botoli va dictaphone, na va traîner dans ma belle le roi Mboa, il y a la police professionnelle. Bon, on a beau écouter ma gamboa Patient, on a beau yaki. Patient, c'est un bon journaliste, il est intelligent, il fait bien son travail, mais ce qui conseille Mokonga Nazari Kopé, ça y est. Amikoti sa makambo politique était. Mais est-ce que continue politique na nini? Amikoti sa makambo makambo politique. Azaki le seul journaliste était na lobby. Azaki belé. Na lobby hein. Tanga ba papier ya Patient Ligodi Mikolo sur média na ye en ligne actualité.cd. Yoka papier na ye o azali ko sala na RFI sur la question ya Beni. Sur la question ya Congo. Abimisele biso loko moko a ono ya une crise ça ce qui il y a la famine en République démocratique du Congo. Arrêle Yango, ça fait écho. On a Pascal Moulego, M. Dassala, Yango. On a quoi qui passe à Ligodi? Pascal Moulego, maître. Ok. Bazaba, on est sur la journaliste à TV5. RFI. Bazaba, il y a RFI. Ok. Ndekonangai. Pour envoyer Bissayo, moi j'ai toujours aimé la façon comment vous nous recevez dans votre plateau de télévision. Vous êtes cohérent, vous êtes net. Regarde comment tu m'as acquis sur la question du BAT. Tu as entendu mon opinion par rapport à Papa Molière qui est
de notre groupe. Et je siège avec lui dans la conférence des présidents. Moi, je ne peux pas accepter que ma institution soit déstabilisée. Mon cher, moi, je vous invite, vous la presse, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours accompagné, de rester neutre pour l'intérêt du peuple congolais. On va marcher. Bon, si vous, en termes, il y a la responsabilité. Tu as établi la responsabilité comment? Parce qu'il y avait d'abord, d'un côté, au départ, il avait semblé refuser. Et puis, il y a eu non, non, marche, des mots de Kréla, on les 17. Et de l'autre, tout le monde, il a mouka, bah, s'entêter. Non, les 15 ou rien. Et, bah, quitte le terrain, oh, salamaki, salamaki. Tu vas prendre la même interpellation, il y a Prince Epenge, il y a Ndeko Miché Mangala, il y a un petit peu de Tiki Bango déjà. Et tu vas prendre également, chaîne Mouzito, bah, journaliste, et puis, on va t'arriver gazé. Alors, s'il faut établir la bah, responsabilité, tu repartiras en ligne. J'étais dans un plateau de télévision avec Prince Epenge. Je lui ai dit, Bozo Sala marche, on a pour les besoins de la cause, pour satisfaire l'opinion internationale. Au beaucoup bundale l'opponent qui n'a pas besoin bah partenaire bah soutenir bino na bah élection il y a 2023 na ibisa qui cher ami Epenge bokosa la fiasco peuple azana binoté le peuple est avec nous ça veut dire qu'on se retrouver le lomuke mo on dit pas que non avec Félix on est arrivé non non là on va trahir conscience na biso mais nous nous poussons Félix à faire mieux au peuple congolais, Zali Kozelaïn de Kouervé. Et nous continuerons à le faire. Donc, pour la marche, Baro Bazaki est interpellé. Et surtout qu'il faut faire la différence entre arrêter et interpeller. Lorsque la police vous trouve que non, vous êtes un suspect, on peut vous interpeller pour la baïba Kouma pour enquêter sur vous. Je pense que Bazaki est interpellé pour quelques heures et puis ils ont été relaxés. Baki n'est pas ça le bilan chaotique, il y a marche na bango. C'est qu'il va se référer à Bisso. Bisso, tu es balabala, Hervé. Bisso, tu es balabala. Tu es comment tu bouges à balabala. Et on sait comment on a travaillé, M. Joseph Kabila, pour nous déstabiliser. Tous les gens ont pouvoir nous tous les gens. On va terminer l'émission, mais il y a une dernière question. Il y a une question qui est en train de me dire. Quand on a tali, moi, à propos de Martin Fayoulou, on a eu Kiango. Mais quand on a eu comportement n'est pas dans la carte d'opposition, je me demande, est-ce que le problème entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi est toujours politique ou est commis vraiment personnel? Non, ça c'est une question très pertinente. Entre Fayoulou et le président de la République, Bazali sont son adversaire politique. Parce qu'ils ont été toujours proches. Tshisekedi considère Fayoulou comme un adversaire politique où à tout moment vous pouvez parler avec lui. Mais Fayoulou a une haine vis-à-vis du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Hervé, na uto yebisa eza biloko mosusu ekobima na monoko na yote ekobima na monoko na ngate même pas ba responsable ba kolanda biso na bandako na bana na bango ngasuki na ibeti no masa na ngai azaka na moto na ye je peux aller au delà ko ya kolika na télévision ko yebisa masa nengo zamboye yo ozalaka na moto tel et puis à la place publique cher ami non ça c'est déjà une haine déjà aux yeux banaï. Mais moi, je conseillerais à M. Martin Fayoulou à J.C. Bati Naye, à se reprocher Nano Lelo, comment il est à côté d'Adolphe Mouzito. Oh, yo, yé lobby. À cela, il est qualifié comme un pilleur, un détourné, il y a un dernier public. Mais Lelo, il a dit qu'on partageait Naye Messamoko, il a dit qu'on partageait Naye Micro, il a dit qu'on partageait Naye Moutoukamoko. Mais la justice n'a pas lavé Mouzito. Très bien. Tout de suite, c'est mission. Ancien ministre de la Santé, Eteni Longono, a placé en détention depuis le 27 août. Et il y a deux ou trois jours, il a été relaxé. Alors, il a créé, il a été dans la carte d'opinion. Il a été belé, ici, il y a deux poids, deux mesures. Il a pas si Moïse a tout mis raison. Il a évoqué déjà justice sélective. Il a évoqué, il a été belé, il y a Kamere, il y a Willy Bakonga, il a été belé, comparaison, il y a une polémique. Alors finalement, yo comme juriste, mais quand on peut se dire que touche na ya qui juriste et voilà. Mise en liberté provisoire, il y a Eteni Longono. Comment vous avez interprété ça? Oui, avant d'aborder la liberté provisoire, il y a Eteni Longono. Nalina Yibisoyen de Kouervé, Congolais, a retenu que Katumbi Amoto a besoin de faire référence à la République démocratique du Congo. Monsieur là, c'est un traître. Katumbi va présenter un c'est un Judas. Non. Mais tu n'as même pas gouverné, Moussouba, il ne faut pas prendre. Tozawa, il y a Jekamine, il y a SNCC, il y a. C'est à quoi on a ma tata, on a dit qu'on régnait de Konangaï. Na o étalé le dossier, il y a Eteni Longono. Il a été arrêté. Le dossier est en instruction auprès des magistrats.
Les avocats de l'Eteni Longondo ont estimé que non, et Sengela qui va Sengela et liberté provisoire, où ils allaient droit à Bango. Et le magistrat a examiné la demande de la liberté provisoire à Eteni Longondo. Et à l'intérieur de la demande de la liberté provisoire, il a pris engagement à Kofuta caution et pas l'État. Et il a pris engagement et pas l'État congolais de ne pas entraver, ne pas faire obstruction. Il y a instruction où ils allaient continuer. Il a pris engagement et que à Kokoma n'a pas porté, à Kokoma n'a pas aéroporté et que à Kokoma n'a pas frontière et que à voyager était à côté de la Sebobele, la République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa. Il ne peut même pas faire l'équateur chez nous. Et donc, les juges ayant examiné tous ces éléments, a présenté juge, caution, magistrat, caution, et le magistrat a examiné, a accordé liberté provisoire. Mais le dossier demeure en instruction. Et j'aurais appris et que le magistrat va continuer dans l'enquête et puis va prendre le dossier. Atinaye devant Zouzi naturel naye, devant son juge naturel. Pour n'être non Asamba, n'est-ce que tu as causé la paix impatiemment audience et en décomatant en pour une date il y a le 25 novembre, si je me trompe pas, de Hervé. Donc, pour le dossier il y a de Kouéteni, ne nous agitons pas. Le dossier est en cours. Mais ce qu'il faut condamner ici, c'est l'attitude, les comportements de M. Eteni Longondo. Pourquoi se glorifier? Pourquoi triomphalisme? Pourquoi la victoire? La victoire après avoir détourné. Non, il n'a pas rodé. Il n'est pas encore établi clairement qu'il avait détourné. Non, attention. Dans le dossier d'Eteni, il y a une exception. Eteni a pris l'argent de l'État. L'État l'a reproché après les enquêtes. Eteni a reconnu. Et il est allé restituer. C'est déjà un aveu sur un plan, sur le plan des droits. Bah ici si oyibi, obité na yibité, oyibi, na yibité oyibi. Oh ya solo na yibaki mais mongo na yibaki yango. Sur le plan des droits, il y a l'infraction consommée. Très bien. C'est gile balandé là, c'est ça ce qui fait la différence. Donc, je comprends ici que à cause de la difficulté à s'échapper parce qu'il y a moko à cela il copé ça na bazuzi. Bah, élément, il y a une preuve, il y a une série qui peut habiter la charge. L'émission est terminée, Maître Bazin, caméra Yango Liboso Nayo. Dernier message dans le public et plutôt Kabouane. Dernier message, Zali est tenu par Kangi et Sengeli à Kazi à Bandobo, la paix, Balouke, la biso place, il y a Zali. Baneme la biso Yena Kinshasa. Baneme la biso John Ntumba, place, il y a Zali. Bazongi, c'est la Yena Kinshasa. A tout Matoubouana, à Sambapé. Matoubouana, on a eu Kaza, à son Canada, son Portugal. Et là, solo. Balobia Zali a couto azo yenga yenga moi ya bimeza oui bien bien tout ça la confiance à ma miyibite mon cher Congo c'est une mauvaise expérience vraiment côté avec mon yibina kaza mbo l'émission est terminée, merci de votre passage, merci beaucoup pour l'invitation Hervé. Fin de cette émission à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi, au revoir.